donde la palabra, M. Surra. Dus nu gaan we het woord geven aan onze voorzitter van Brussel, dus Frans. Wordt in Frans, hij gaat al in Frans gesproken, maar het is bijna hetzelfde speech dat James heeft in Nederlands gezegd. Bedankt. Ongeveer, ongeveer. Ja. Het is goed. Deseen tener el discurso este en español, pueden darle a Elizabeth las coordenadas, o bien, y le existe así la traducción, o en adelante, el sufit de la demanda. Yo le hablé de le contraverité de Bruno Denis. Contraverité número 1. FCTOPL Bruxelles. N'est pas une fédération bruxelloise. Comme d'habitude, Bruno Delis ne connaît pas bien ce dossier. Il y a déjà bien longtemps, le secrétaire d'État de la Tower avait vu que dans la Fédération latino-américaine d'Anvers, il y avait 6 organisations de Bruxelles. Il les a convoquées, il les a suggérées qu'elles constituent une ASBL bruxelloise. C'est comme cela qu'est née l'Alliance latino-américaine. Rapidement, le chiffre est passé de 6 à 8 et plus tard à 12 associations, arrivant ainsi au nombre minimum exigé. Mais après, ils sont arrivés à 20 et jusqu'au chiffre de plus de 50 associations à l'heure actuelle. À un moment donné, vu que l'orientation prise par la Fédération d'Anvers se dirigeait vers le désastre, à l'heure actuelle, elle a été dissoute. Nous nous sommes séparés. Et devant la suggestion de la BGC de nous incorporer à une autre fédération afin de maintenir notre financement, nous avons pris des contacts avec FCTOBL qui n'avait pas une section à Bruxelles. Et nous sommes devenus alors la section de Bruxelles de FCTOBL, et ceci avec l'accord et le soutien de la BGC. Il est faux d'affirmer que nous ne sommes pas une fédération de Bruxelles, car nous le sommes depuis les débuts et avec le soutien de la BGC. Contre-vérité numéro 2. FCTOBL a reçu financement de la Flandre. Encore une fois, Bruno Delis ne connaît pas bien ce dossier. FCTOBL Bruxelles, et même que 6 autres fédérations de Bruxelles, reçoivent aussi un financement de la Flandre. Et cela s'est comme ça depuis plusieurs années. À la fin de son mandat, il vient seulement de découvrir ce qui est de commune renommée, car les comptes du ministère flamand figurent dans son site web. Contre-vérité numéro 3. Nous avons enlevé une partie du financement de FCTOBL Bruxelles, parce qu'ils reçoivent aussi du financement de la Flandre. Une grande contre-vérité. Les autres 6 fédérations de Bruxelles reçoivent aussi du financement de la Flandre, et ceci depuis plusieurs années. Mais la grande contre-vérité apparaît clairement quand il se sait qu'une autre fédération a reçu plus de subventions de la Flandre que nous. Et Bruno Delis l'a augmenté ses subventions à Bruxelles. Et par contre, à nous, il nous a retiré presque la moitié de nos subsides de Bruxelles. Il est clair que c'est une contre-vérité. En fait, ce qui est vrai est qu'il bénéficie à certains et il nuit à d'autres, sans un critère objectif et clair. Ce sont les caprices de Bruno Delis. Contre-vérité numéro 4. En période de crise, il y a moins d'argent à distribuer. Une autre grande contre-vérité. Nous avons fait la somme de ce qui ont reçu les fédérations qui ont vu augmenter leurs subsides et cela donne 240 094 euros. Et d'autre part, nous avons fait aussi la somme de ce qui a été supprimé à plusieurs fédérations, et cela donne
152.356 euros. Si nous enlevons un de l'autre, cela donne 87.738 euros. C'est-à-dire que par rapport à l'année précédente, Bruno Delis disposait de 90.000 euros de plus pour distribuer parmi ses préférés. Mais cela n'était pas suffisant, car son objectif était celui de nuire certaines fédérations en leur retirant 152.000 euros, en essayant ainsi de liquider le fonctionnement de plusieurs d'entre eux. Contre-vérité numéro 5. Maintenant, nous allons appliquer à la BCC un critère de qualité, non pas de quantité. Contre-vérité et mauvaise foi. Ceci est dirigé directement contre nous, car nous sommes la fédération qui a le plus grand nombre d'associations adhérées à Bruxelles. Méthodologiquement, c'est une aberration, parce que les associations adhèrent là où elles reçoivent la meilleure qualité d'accueil et là où obtiennent les meilleurs services. Et ceci est un critère objectif, contrairement au critère subjectif de Bruno Delis. Prenons les critères appliqués par la Flandre, cités par Bruno Delis. Des inspecteurs du ministère viennent à contrôler chaque fédération et ils examinent une par une toutes les organisations membres. Unes sont acceptées parce qu'elles remplissent toutes les conditions requises et d'autres non. Après, on fait la somme de celles qui ont été acceptées et selon le nombre d'organisations acceptées, se distribue tel ou tel financement. Un critère de qualité visé par un critère de quantité. Quelle différence avec les caprices de Bruno Delis? Contre-vérité numéro 6. Afin d'expliquer ce qui est inexplicable, à savoir, quand nous enlèvons une partie significative de nos subsides, un collaborateur de Bruno Delis dit, je cite, cette décision est basée sur l'évaluation de votre politique par la commission consultative des associations. Faux. Nous allons voir quelques considérations contenues dans la dite évaluation. Je cite l'évaluation de la commission consultative de financement. La FCTVL se développe dans les défis. Les sections ont des outils pour fonctionner en accord avec les besoins de Bruxelles. L'accompagnement et la stimulation des associations sont clairement des tâches fondamentales de la FCTVL. Le travail avec les associations se réalise sur la base des objectifs stratégiques auxquels l'on associe des indicateurs. La FCTVL travaille les concepts de travail avec des bénévoles. Les plans d'action se focalise sur la formation et l'accompagnement des figures clés. La FCTVL a une croissance rapide et par conséquent, elle est une des fédérations les plus grandes de Bruxelles qui travaille avec des associations d'origine différente. Le plus grand défi de la FCTVL est l'ancrage de cette croissance. L'intégration de l'élément intergénérationnel dans l'action est un bon choix. La FCTVL associe l'interculturel à la diversité des pensées. Il est très positif que la FCTVL ait travaillé avec le Forum des minorités, Minder Hidden Forum, pour faire un mémorandum pour les élections. Et tenez-vous bien parce que c'est la partie la plus importante. Le plan contient un budget réaliste mais prudent qui ne traduit pas les ambitions. La FCTVL est forte en ce qui concerne le travail avec les associations et les soutient. Elle a réussi à croître fortement dans un période de temps relativement court. La façon dont on a préparé ce plan de travail mérite nos éloges. L'analyse de l'environnement communautaire, la consultation des intervenants externes à Bruxelles, le traitement des aspects métropolitains dans la théorie et la pratique des choses, etc. etc. Vous venez d'écouter les appréciations de la Commission
presidé por Sigurd van der Mich. Aquí, en la reversión, usé consideración si elogiosa. Mais, ¿cómo comprende a Bruno de Lille cuando él dice que esa decisión es basada sur l'évaluation de la Commission? La Commission dit que notre budget est réaliste mais prudent, et le Grunel de Lille nous quitte la moitié de notre budget, réaliste et prudent. Et pour conclure, il faudrait connaître encore deux choses à propos de la fameuse Commission consultative. Bien qu'il se soit présenté plusieurs candidatures, l'élection a été exclusivement faite par Bruno de Lille. Et il est facile de constater qu'il a élu des candidats de sa convenance et il a écarté à tous ceux qui avaient l'odeur de progressisme. Chose curieuse, une demande de la Commission avait été, dans le passé, présidente d'une fédération. Et n'imaginez-vous pas quelle fédération a obtenu les plus hautes qualifications? Celle dont elle avait été présidente, naturellement. Il n'est pas surprenant non plus que le plus grand nombre de fédérations affectées dans son financement soient des fédérations qui travaillent avec les Africains, latino-américains et progressistes. Nous pourrions continuer un bon moment démontrant l'ineptie et la mauvaise foi du secrétaire d'État écolo Bruno de Lille. Disons pour conclure que Bruno de Lille ne connaît pas le monde socioculturel de Bruxelles. Il agit comme un dictateur sans écouter personne. Il est entré dans une dérive droitière, transformant son perfil et son parti en la droite la plus extrême de Bruxelles, exception faite des partis antidémocratique et raciste. Et pire encore, il s'attaque maintenant aux fédérations qui représentent les Africains, les Latino-Américains et les progressistes de Bruxelles. Nous ne sommes pas disposés à permettre qu'il continue avec cette politique. Il ne faut pas oublier que dans peu de temps, il y aura des élections et nous ferons entendre notre voix. À Bruxelles, plus de 60% des habitants sont nés en dehors de la région. La politique de Bruno de Lille ne passera pas. Merci.